Gloire à toi, Seigneur, macrocosme, créateur du ciel et de la terre. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui es la gloire de l'éternité. Accorde-nous ta gloire, ô Seigneur macrocosme, ô Seigneur macrocosme, accorde-nous ta gloire. Gloire à toi, Seigneur macrocosme. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'univers, Source de la vie éternelle, Lumière éblouissante du monde, Amour et plénitude. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, dispose de nous selon ta volonté. Bhelrak. Oui, il y a déjà l'eau de la rosée qui commence. Bientôt, nous aurons un bon stock de l'eau de la licorne. Cher soleil, transperce les nuages, envoie-moi ta lumière sanctificatrice. Tintia! Tintia!
Si il arrive que c'est comme si on vous coince de tous les coins, on vous coince dans toutes les directions, et que votre protection spirituelle n'est pas aussi forte, cherchez la bague ancestrale. Cherchez la bague ancestrale, mettez la bague ancestrale sur votre doigt, et ensuite allez y trouver un arbre qui est encastré comme ça. Dans la roche. Vous aurez besoin des feuilles, écorce et racines. Vous me direz, trouvez-vous racines? Oui. Vous allez vous efforcer à trouver racines comme l'arbre s'est efforcé à trouver racines et s'enraciner. Ensuite, vous allez prendre votre main comme ça, avec la bague ancestrale sur le doigt. Mais avant de faire ça, vous tournez la bague dans la main. On doit tourner la bague dans la main. La bague doit être maintenant dans la main, ce n'est plus derrière. Et maintenant, vous posez comme ça sur le tronc d'arbre qui est encastré dans la roche. Faites des respirations conscientes. Vous vous calmez. Vous devez d'abord sentir le calme. Vous faites tout possible pour avoir accès au calme intérieur. Et quand vous avez senti vraiment le vous êtes calme, maintenant vous sentez comment cet arbre a pu grandir encastré dans la roche. Vous pensez au processus, quoi. On peut dire ça a commencé en 1990, peut-être. Hein. C'est peut-être, j'ai dit. Mais imaginez plus loin. Vous voyez, par exemple, cet arbre-là, petit comme ceci. C'est très important de faire l'exercice là. Et vous voyez ça petit ici. Et au fur et à mesure que le temps passe, l'arbre grandit. Au fur et à mesure que le temps passe, l'arbre grandit. Au fur et à mesure que le temps passe, l'arbre grandit. Plus l'arbre grandit, encastré dans la roche, plus la protection spirituelle et la stabilité spirituelle de l'arbre est vraiment incommensurable. Imaginez cela bien jusqu'à ce que l'arbre grandisse. Et quand vous sentez vraiment ce mystère qui circule en vous et que vous êtes vraiment conscient de cela, là, en ce moment, vous demandez en langue, pas en français, en langue, dans votre langue maternelle ou paternelle, vous devez nommer l'arbre. Trouvez le nom. Pardon, nous, dans notre langue, on appelle ça le kakale. Ça, c'est le kakale. Bon, je ne connais pas ça en kabyé ni en évé, donc à vos claviers. Voilà. Vous devez le nommer dans la langue. Ou bien carrément, dites juste arbre, dans la langue, quoi. En langue, dites juste arbre. Vous n'êtes pas obligé de trouver forcément le nom. Et maintenant, vous devez faire au moins minimum 30 à 40 minutes la main posée comme ça. Et vous pensez fortement à l'arbre, sincèrement. Jusqu'à ce que, comme vous êtes devenu vous-même l'arbre, les feuilles, vous sentez le vent, l'air, comme cette douce matinée du 29. Actuellement, les voûtes ont commencé. Alors, ce qui veut dire que l'arbre là ne peut pas aller, mais il peut envoyer l'oxygène ou le vent. Pensez à tout ce que l'arbre fait, malgré que l'arbre ne se déplace pas. Jusqu'à ce que vous sentez une harmonie extraordinaire avec l'arbre. Et maintenant, vous commencez à imprégner votre personne en demandant sincèrement à l'arbre. Mais avant ça, il est aussi important de faire comme ça. Il faut embrasser l'arbre, lui dire que, hein, il est magnifique. Il est extraordinaire. Tu es sur place, tu ne bouges pas. Tu supportes l'intempérie, le vent, le soleil. Tu es encastré dans la roche. Mais tu nous donnes l'oxygène, tu nous donnes des fleurs, le parfum. Tu es extraordinaire. Et vous l'embrassez. Pardon. Vous l'embrassez. Ensuite, vous lui demandez maintenant
de transmettre votre amour à tous les arbres de la forêt ou de cette colline et encore vous l'embrasser. Voilà. Vous gardez toujours la main posée et maintenant vous commencez à lui parler comme quelqu'un qui est très important, qui doit vous donner quelque chose. Comme par exemple, j'étais assis avec le président de la République et il vous a dit, je vous écoute, vous voulez quoi? Dites, je vous donne. Donc dites-vous que l'arbre-là va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Ça, vous devez être certain. Il faut une foi inébranlable. Et quand on dit une foi inébranlable, on sait que la foi, c'est vraiment un truc d'intérieur. Mais beaucoup ont des problèmes psychologiques et qui font que les gens n'ont pas confiance en eux. Mais ayez vraiment confiance en vous. Parce qu'aucun individu sur Terre n'est plus important que vous. Nous sommes un engrenage et tout le monde est utile. Il faut que cette confiance soit inébranlable. Et dites-lui de vous donner sa stabilité et sa protection. Cette protection, cette force terrible qu'il a pu avoir et il est encastré dans cette roche. Parlez de beaucoup de choses très longtemps, très longtemps. À la fin, embrasser. Et ensuite, enlever les feuilles, les écorces et les racines. Et avec ça, maintenant, vous allez faire un bain spirituel pour vous doucher. Allez-y au marché, trouvez le sel. Avec 25 francs ou 50 francs, vous avez déjà le sel. Venez mélanger, piler. En pilant, vous parlez de ce pourquoi vous pilez. Vous allez mettre le miel. Vous allez mettre 66 clous de girofle. Et maintenant, vous mélangez le tout. Et vous allez faire un bain de 4 jours pour une femme, 3 jours pour un homme. En parlant de la même chose, hein, en répétant ce que vous avez, comme vous avez fait ici, là, pour que vous soyez vraiment en harmonie avec la stabilité la plus divine de la nature. La stabilité la plus extraordinaire qu'ont les arbres dans la nature. Et vous allez voir à quel point, au-delà de la stabilité, au-delà de ne pas être ébranlé, au-delà d'être vraiment enraciné, vous allez voir que vous êtes connecté à la nature. C'est-à-dire, c'est comme la nature vous parle. Rien ne peut être caché à vos yeux physiques ni spirituels. Par exemple, regardez ici. Regardez comment ces cailloux-là, la nature les a positionnés. On dirait des lames. Vous voyez comment c'est tranchant? Vous voyez, 1, 2, 3, 4, ici, ensemble. C'est-à-dire, quand vous regardez la nature, comment les choses sont formées, et que c'est la nature qui a fait vraiment, qui a fait, c'est magnifique. C'est très magnifique. Donc, dans la nature, il y a vraiment la magie pure. Elle est tellement pure que la sincérité dans le dialogue avec la nature va toujours vous donner ce dont vous avez besoin, parce que c'est ce que nos ancêtres ont fait. Eux ont érigé les pyramides et ont érigé des temples qui aujourd'hui font partie des sept merveilles du monde. Allez, rappelez-vous que chaque jour est une magnifique vie et que vous devriez vous occuper de vous. C'est quand vous vous occupez de vous très bien que vous pourrez aider quelqu'un. Votre femme, vos enfants, votre entreprise, vos relations. Si vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez aider personne. Donc, quand il fait jour, vous ouvrez l'œil. Quand vous ouvrez l'œil, vous ouvrez les yeux sur le lit. Évitez de penser à quelqu'un. Ne pensez à aucun individu sur Terre. Pensez à vous. Comment faire? Je me sens comment? J'ai rêvé quoi? Qu'est-ce que j'ai amené du monde spirituel? Est-ce que quelqu'un est venu me toucher? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut être sûr parce que si vous n'écoutez pas bien ce que vous avez amené du monde astral, eh bien, vous allez tomber dans un piège dans la journée. Rien. Rien. Aucun sorcier, aucun diable, aucun démon, aucun génie, aucun marabout, aucun spirituel ne peut vous envoûter, ne peut vous attacher sur eux, ne peut vraiment vous atteindre sans que la nature, c'est-à-dire Dieu, vous l'appelez Dieu, on l'appelle macrocosme, c'est-à-dire la nature, le ciel et la terre, va d'abord vous informer que quelque chose se passe. C'est parce que des fois, ce n'est pas que les gens sont sales, hein, du fait qu'on ne sait même pas se réveiller. Vous ne savez pas comment vous réveiller. Vous ne savez pas que quand on se réveille, on ne pense à personne à part soi-même. Pensez à comment vous êtes réveillé. Votre sensation, vous vous sentez comment? Dans votre ventre, c'est comment? Dans votre tête, c'est comment? Votre télépathie, c'est comment? Votre mental est comment? Qu'est-ce qui vous envahit? Allez-y d'une façon harmonieuse, vous douchez, faites la toilette. Pensez à vous. Allez méditer, prier. Et essayez de voir si vous avez rêvé quelque chose. Essayez de dire, prendre un cahier, quoi. Vouloir écrire. Si vraiment ce que vous avez rêvé est important, ça va apparaître. Au cas contraire,
courant de la journée, ça va apparaître. Et vous allez vous rappeler que, ah, j'avais rêvé ça là. Que ce soit le Coran ou la Bible, ils ont été clairs. C'est la nuit que tout se passe. Alors que dans les temples initiatiques, nous mettons l'accent sur les rêves parce que c'est là-bas qu'il y a la meilleure voyance. Oui, c'est là-bas qu'il y a la meilleure voyance. Donc, c'est l'arbre de la foudre, ça. C'est ce fruit qu'on appelle le nasal, le naboul. C'est-à-dire, lui-même, c'est le naboul. Ces fruits, c'est le nasal. Voilà, le nom scientifique est long et bizarre comme ça. Donc, comme je le disais, c'est très important qu'on mette l'accent sur. On mette l'accent sur les rêves. Parce que quand vous vous réveillez, ce que le sorcier a fait pendant la nuit. Non, ce n'est pas pendant la nuit. Dans la journée ou dans l'obscurité ou dans le secret, vous allez voir ça dans le spirituel. D'autres ont même ça naturellement, le don des rêves prémonitoires. Surtout les vierges, les scorpions, les cancers. Et ils sont extraordinairement nés pour ça. Rien ne peut être caché dans l'astral. Ils voient tout. Ils sont harmonieux, hein? Ils sont harmonieux avec eux-mêmes. Sinon, ils ont beaucoup de problèmes au niveau mental et psychologique, et même astral de l'âme. Ils ne pourront rien voir. Donc faisons des efforts pour entretenir notre sommeil, bien dormir, bien se réveiller. Et maintenant, il faut être humble, il faut être simple. Faut pas vouloir du mal à quelqu'un, faut pas envier quelqu'un. Sinon, allez-y, est-ce que vous pouvez porter ça là? Il faut qu'on vous mesure d'abord. Mettre mes chaussures, c'est la même chose. Donc c'est idem pour tout. Chacun a ses calibres. Faut pas en vouloir à quelqu'un. Même le président de la République. Pas vouloir son poste parce qu'il n'est pas né par un menuisier, par un mécanicien ou un peintre ou un soldat. Non, son papa fut président. Donc si ton papa a quelque chose et que tu veux aller au-delà de ça, alors il faut être intelligent pour tisser de bonnes relations. Il faut pas être arrogant. Faut pas, ton vantardisme ne doit pas dépasser les bornes. Et c'est comme ça vous allez pouvoir vous en sortir sans creuser vous-même des trous sur le chemin de votre destinée. Je dis bien sans creuser vous-même des trous sur le chemin de votre destinée. Allez, il fait jour ça. Moi, je vais comme ça voir si je peux voter celui que j'aime. Allez, bye bye. Prenez soin de vous. Chaque jour est une magnifique vie. Je vous rappelle que il y a un salon spirituel. Contactez-nous pour vous inscrire. Et ce salon spirituel, nous allons inviter beaucoup de maîtres spirituels. Presque tous les maîtres spirituels du Togo seront invités. Donc, c'est un événement à ne pas rater. Et il y a un lien pour que ceux qui sont à distance puissent participer. Donc inscrivez-vous pour qu'on puisse vous donner le lien sur lequel vous allez participer à ce salon spirituel à l'hôtel Lamirel. Pour le sel aussi, rappelez-vous, il y a le sel des mutants. Le sel des mutants, il y a ça partout sur le territoire togolais, de Lomé à Saint-Cassé. Et le sel, ce sel spirituel appelé le sel des mutants, il y a tellement de témoignages que on n'en peut plus parler. À vous de faire l'expérience de la beauté de l'âme, de la beauté, de la richesse, de la protection spirituelle et de la stabilité divine. Même avec ça, on peut même vous montrer des rituels simples à faire afin de renforcer votre aura. Allez, au top, bye bye.